Jesus. Oh my God. Ça fait plaisir. Je vais t'accueillir tout à l'heure. Je m'embêtais un peu. J'étais en intercession pour toi parce que toi, tu étais loin là-bas. Je disais, Seigneur, pardon, s'il te plaît. Sécurise. Comme tu l'as amené là, ramène-le ici. Là. Et ce matin, c'est une joie. Nous ne restons pas calmes, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui t'encouragent, qui sont rentrées. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je voudrais également saluer quelque chose de grand qui a été manifesté. Vous n'avez pas fait attention. Alors, évangéliste, tu peux te lever, j'en sais plus, s'il te plaît. Tu peux arriver un peu, tu peux avancer. Alors, je voudrais. Donc, je sais qu'on n'aime pas trop la lecture, mais je t'encourage. Achetez son livre, encourage-le. Je souhaite que l'église encourage. Même si tu ne veux pas lire, achète. Je voudrais ce matin ne pas me déranger parce que nous sommes dans une période. Vous connaissez vous tous. Donc, j'ai beaucoup prié parce que j'avais tellement de choses à partager ce matin. Yes. Et Dieu m'a éclairé sur un sujet que je voudrais partager avec vous. J'ai un de mes petits, le prophète, qui est venu hier soir me rendre visite à la maison et il me parlait un peu de la situation politique. Voici ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en réalité, l'Église a sa part de responsabilité dans ce qui arrive dans cette nation, en termes de dévalorisation, en termes d'échec. Pourquoi? Parce que le christianisme est en griffe la religion la plus grande au Gabon. La plupart des gens qui sont dans ce pays ont déjà fait un tour à l'église, une fois au moins, même ceux qui sont dans les sectes. Et je l'ai dit que tu sais, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, je l'ai partagé ce dimanche. Ce qu'on entend vient de la parole, manifestation de caractère. Si vous enseignez aux gens que la richesse c'est pour le diable, faire des grandes études c'est pour Satan, ouvrir un commerce, Dieu n'est pas trop pour ça, Dieu est seulement pour le ciel, vous allez fabriquer des chrétiens célestes. Les chrétiens célestes, en fait, ça n'existe pas. Parce que la Bible dit dans le livre des Psaumes, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre pour héritage au fils de l'homme. La terre, c'est notre héritage à tous. Et dans la terre, il a délimité les endroits où devons vivre. C'est Dieu qui a permis que tu vives au Gabon. Amen. Et donc, l'évangile qu'on te prêche, il faudrait contextualiser l'évangile. Parce que si on continue à parler l'évangile, c'est moi des esprits qui volent, les blocages, ça ne peut pas amener une personne à réussir. Parce que depuis qu'on chasse les esprits, depuis qu'on les tue, on les envoie le feu, on vit les mêmes situations. Donc il faudrait que l'évangile soit contextualisé. Et vous devez comprendre que l'évangile est une puissance qui amène le développement. Alléluia. Une puissance qui amène la transformation. Alléluia. Une puissance qui amène la gloire. Mais comment expliquer qu'il y a autant de chrétiens et il y a moins de puissance et moins de réussite? Ça veut dire que nous devons revoir notre manière de prêcher l'évangile. Amen. Ce matin, je voudrais parler de la délivrance de la nation. C'est le thème de mon enseignement. Oui. Permettez-moi de vous dire ce que je veux vous dire, mais ce n'est pas que je suis contre quelqu'un. Mais à un moment donné, il faut dire les choses telles que la Bible l'enseigne. Je ne serai pas ce matin culturel, je serai biblique ce matin. Amen. Dans le livre de Luc, on va lire ensemble Luc 4, devant-nous s'il vous plaît. Luc 4, 16 à 19. Est-ce qu'on peut lire Luc 4, 16 à 19. Devant-nous tous s'il vous plaît. D'accord. Luc 4, 16 à 19. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ouais. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. D'accord, tu verset 19. Tu l'as Jésus, c'est notre Seigneur à tous. Il a vécu sur la terre pendant 30 ans, il était charpentier avec son papa. Lorsque sa mission commence, la Bible déclare qu'il va être baptisé par Jean le Baptiste, qui était en fait son cousin. Et revenu du baptême, il va arriver au temps, c'était la coutume au temps, qu'on déroule le rouleau et qu'on lise.
Ce jour-là, il va être désigné, comme par hasard, à lire le rouleau. Il va prendre le livre et il va le dérouler. Et il va tomber dans le texte d'Ésaïe et il répète ses paroles. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé. Donc, l'onction était sur Jésus. Mais l'onction sur Jésus avait une vocation. L'onction a une vocation. Jésus va donc expliquer quelle est la vocation de l'onction. Il m'a envoyé guérir ceux qui sont malades, ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé proclamer libre les opprimés. Mais il m'a aussi envoyé délivrer les captifs. C'est très important. Donc l'onction a un rôle de libération, n'est-ce pas? Lorsque Dieu donne l'onction, il donne l'onction pour la libération. Je voudrais parler clairement ce matin. Vous savez, il faut dire la vérité. Hein? Nous les chrétiens, nous avons mal enseigné l'onction aux gens. Parce que dans nos esprits, nous pensons que l'onction n'opère que dans l'église, pour les dons spirituels. Nous pensons que l'onction, c'est en rapport avec les visions qu'on fait à l'église, les paroles de connaissance. C'est à cela que nous avons résumé l'onction de Dieu. C'est à cela que nous avons résumé, nous avons limité la puissance de l'onction dans nos quatre murs de l'église. L'onction consiste à tomber, à prier pour les gens, aux gens parlent en langue, les gens crient, les gens sentent la chair de poule. Voici à quoi nous avons résumé l'onction. Mais quand Jésus arrive, il donne une autre définition de l'onction. Il dit l'onction, c'est aussi la capacité de délivrer ceux qui sont captifs. Est-ce que je peux te parler? Amen. David avait reçu l'onction. C'est pourquoi lorsque Goliath était en train de terrasser Israël, David est venu avec l'onction et il a fait tomber Goliath. David n'était pas chrétien. On est là ce matin. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas musulman. Dieu est Dieu. Lorsqu'il décide d'opérer dans une vie, dans une nation, dans un pays, dans une contrée, il utilise ce qu'on appelle l'onction. Or, l'onction n'est pas un fait propre à ceux qui sont en Christ. Regardez, tout le livre de Juges, ceux qui lisent la Bible, dans le livre de Juges, les juges, ce sont des personnes que Dieu suscitait à une période de désolation du peuple pour amener la délivrance. Samson était un juge. Jaïr était un juge. Déborah était juge. Jephthé était juge. Toutes ces personnes, il y a un détail que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur les saisit et ils opéraient la délivrance. Ce n'étaient pas des gens qui priaient Dieu, mais c'est des gens que Dieu avait élus pour opérer une délivrance dans un domaine donné. Amen. Lorsque Dieu veut opérer dans une nation, dans une famille, Dieu utilise toujours l'onction. Or, l'onction ne descend pas que sur ceux qui sont chrétiens. Regarde. Cyrus, c'est un roi païen. Je l'ai dit dans mon direct. Un roi qui ne connaît pas l'Éternel. Mais Dieu l'appelle mon serviteur Cyrus. Bien-aimé, Dieu ne va pas utiliser que nous qui avons reçu le Saint-Esprit à l'église. Est-ce que tu as été baptisé de l'Esprit? Est-ce que tu parles en langue? Ça, il faut laisser ça. Parce que depuis que nous parlons en langue, le pays n'a pas changé. La véritable onction, pasteur Thibault, c'est lorsqu'il y a la délivrance des captifs. C'est ça la véritable onction. Et nous sommes dans cette nation, dans la saison de l'onction. Où Dieu va utiliser qui il veut pour délivrer les captifs. Regardez, la captivité n'est pas que spirituelle. Alléluia. Il y a des gens qui vivent la captivité spirituelle. L'onction opère dans le surnaturel. Il y a des gens qui vivent la captivité physique. Alléluia. L'onction n'opère pas dans le surnaturel. L'onction opère dans le physique. Quand Gédéon tuait les Philistins, ce n'était pas spirituellement. Il partait et il les tuait, c'était physiquement. Donc l'onction n'opère pas que dans le monde des esprits. Les gens sont à l'église, ils sont là avec des conceptions bizarres. L'onction c'est aussi naturel. Quelqu'un peut ne pas être chrétien et Dieu le saisit pour une mission. Et c'est ce qui va se passer dans notre nation. Les gens qui n'auront pas forcément été chrétiens, Dieu va les utiliser pour amener la délivrance des captifs. Est-ce que tu peux attendre le Seigneur? Il y a beaucoup de prophéties. Oh, Dieu a dit que celui qui sera président au Gabon sera un chrétien. Laissez-moi ça. Laissez-moi ça. On n'a pas besoin de prospérité pour être chrétien. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas des chrétiens, mais ils sont prospères. Pour être prospère, on n'a pas besoin que le président soit un chrétien. On a juste besoin que le président soit influencé par Dieu. Amen.
Parce qu'on peut ne pas être chrétien et être influencé par Dieu. Nous ne recherchons pas un président chrétien, nous recherchons un président qui est influencé par Dieu. Lorsque Jonas va à Ninive pour annoncer le jugement de Ninive, le roi de Ninive, c'est un sadique. Vous devez le savoir, c'est un sadique. Mais lorsque Jonas annonce le message, le roi de Ninive déclare une chose, il dit, tout le monde va jeûner. Il a compris que Dieu est en train de parler. Il a dit, même l'animal, si tu gardes le chien à la maison, même le chien va jeûner. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction est en marche dans notre nation. L'onction est en marche dans le continent africain. Et vous devez comprendre comment Dieu opère, parce que Dieu n'est pas chrétien. Sinon, vous allez entendre le Seigneur est chrétien, chrétien. Les chrétiens, malheureusement, eux, ils sont dans l'esprit. Eux, ils attendent les visions. Je l'ai dit dimanche ici. Dieu ne parle pas que par les visions. Alléluia. Dieu parle aussi par l'observation. Oui. Lorsque tu n'arrives pas à manger dans ta maison, tu n'as pas besoin de vision pour savoir que tu es dans la pauvreté. Ce n'est pas une vision. Tu sens l'enfant qui te parle, que tu as faim avant que tu manges. On a besoin de tout. On a besoin de vision pour opérer. Mais quand l'onction descend, il n'y a pas les visions, c'est l'observation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et Dieu nous a donné une démonstration que autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus de nous. Ce que Dieu a fait dans cette nation, on appelle ça la science de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je voudrais dire quelque chose. C'est que la délivrance ne suffit pas. C'est là où je voudrais qu'on parle ce matin. Psaume 126, 1 à 6. Psaume 126, 1 à 6. Est-ce qu'on peut lire le psaume chapitre 126, verset 1 à 6? Allons-y. Psaume 126, 1 à 6. Ouais. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est en train de penser qu'il est rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Wow. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Le texte là parle de la délivrance d'Israël de la captivité de 70 ans en Babylone. Ce peuple est allé en Babylone pendant 70 ans. Ils ont vécu sous l'oppression d'un peuple qu'on appelait les Babyloniens. Donc pendant 70 ans, ils étaient oppressés. Vous savez, 70 ans, ce n'est pas 70 jours. Hein. Au bout de 2 ans, vous commencez à vous habituer à la souffrance. Il y a des gens ici qui ne sont pas nés pour souffrir, mais tellement la souffrance est omniprésente, ils se sont habitués avec la souffrance. En fait, ce n'est pas que la souffrance est leur style de vie. Mais comme la souffrance était présente, ils se sont habitués à ça. Le peuple est parti en captivité et Dieu a dit par la bouche de Jérémie, dites aux dames de préparer, de vendre, de se marier, de vivre leur vie. Parce que la captivité va finir maintenant. Ils n'ont qu'à vivre comme ça. Donc au bout d'un moment, ils n'espéraient plus qu'un jour, la délivrance devait arriver. Vous savez, les rendez-vous de Dieu, Dieu ne les rate pas. Quand Dieu donne les rendez-vous à la délivrance, il utilise ce qu'il veut pour la délivrance. Le peuple dit, celui qui écrit le psaume est choqué. Voici ce qu'il dit. Il dit ceci. Il dit, psaume, je dis 100 combien? 126, le verset 1. Il dit ceci. Il dit, quand l'Éternel, relis s'il te plaît, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Voilà, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, comment ils étaient? Nous étions comme ceux qui font un rêve. En fait, ils ne réalisaient pas. Je crois que beaucoup de gens dans cette nation ne réalisent pas ce qui est en train de se faire. Ils ont l'impression que c'est encore un rêve. C'est vrai. Parce que ça va être sauf que trop durer. C'est comme un rêve. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Il y a quoi comme dans un rêve? Mais la nuit dure longtemps, mais ça finit, le jour finit par arriver. Même si la nuit dure longtemps, le jour finit par arriver. Vous devez le savoir.
Peu importe le temps que la nuit prendra dans vos vies, le temps de difficulté, le temps d'oppression, le temps de maladie, quel que soit le temps que ça prendra, sachez-le un jour, chaque souffrance a un temps de péremption. Amen. Chaque souffrance a une date de péremption. Et ce homme-là réalise que le peuple, en fait, il ne réalise même pas qu'ils sont délivrés. C'est comme dans un rêve. Alléluia. La Bible dit, alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Moi, je ne comprenais pas les gens qui criaient comme des fous dans le pays. Les gens ont marché, les gens ont crié, les gens ont fait ceci. Et je vois des gens qui disent, oh, ne vous réjouissez pas trop vite. Vous savez quel problème? J'ai parlé à quelqu'un en lui disant que l'être humain a ce qu'on appelle, a un organe dans son âme, qu'on appelle, je veux le retrouver, mais c'est lié à l'émotion. Chaque être humain doit manifester une émotion, parce que tu n'es pas bien. La testostérone. Chaque être humain doit manifester une émotion. Alors lorsque tu es en joie, lorsqu'il y a un événement joyeux, tu dois être en joie. Mais comment tu es surpris de le voir joyeux pendant un moment de joie? Ça veut dire que tu as un problème. Oh non, ne vous réjouissez pas trop vite. Mon frère, tu veux dire quoi là? Vous savez, oh non, vous êtes, c'est pas encore clair. Qu'est-ce qui est clair? Tant d'années de souffrance, c'était clair dans ta vie. Pourquoi vous voulez empêcher les gens d'exprimer le sentiment de liberté qu'ils ont? Même si c'est deux mois, même si c'est deux jours de liberté. Vous savez, deux jours de liberté vaut mieux que 1000 ans de prison. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Lorsque Israël traverse la mer Rouge, ils ont vu tellement le feu en Égypte. Pharaon était, les a torturés. Et quand Myriam traverse, elle prend le tam-tam. Moi, je ne savais pas que l'autre Myriam avait le don de taper les tambours. Elle a commencé à chanter. C'est le premier réflexe lorsqu'on expérimente la délivrance. Quand vous voyez les gens qui ne rient pas trop, quand les bons dieux les arrivent, c'est des sorciers. Je vous dis la vérité, quand vous voyez une personne qui a la tendance à cacher ses émotions, ne faut pas trop rire, cette personne-là c'est un monstre. Parce qu'un être humain normal, lorsqu'il est en joie, il doit se réjouir. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez ce moment? Et quoi, vous voulez qu'on soit triste? On dit, non, vous savez, attendons d'abord. On attend quoi? Lorsqu'on a traversé la mer Rouge, on n'attend pas, on commence à taper les tam-tams et on se réjouit. On pousse des cris de joie. La Bible dit que lorsqu'ils sont revenus de Sion, lorsqu'ils sont revenus de Babylone, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont poussé des cris de joie. Ils ont chanté les cantiques de leur voix. Nous sommes dans une période où, même si c'est comme encore, même si la France a fait ceci, c'est monté, c'est descendu, c'est rentré, ça, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est qu'actuellement, nous avons un sentiment que nous sommes en lien. M'empêche pas d'être heureux. Non, dis moi, ça ne m'empêche pas de ressentir la liberté, ne m'empêche pas. Si quelqu'un est bizarre avec vous, lui répond sur le statut WhatsApp, bloquez cette personne. Tu peux vous fatiguer, c'est ton forfait. Tu es en train de publier ce que tu veux, tu es libre. Donc, si non, non, pourquoi tu parles comme ça? Tu bloques son WhatsApp, tu vas forcer. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cette sorcellerie nationale. Où Dieu nous amène la délivrance, nous on veut raisonner. Nous, tu sais, on a même déjà des scientifiques. On a même déjà des gens spécialisés dans les informations. On a des enquêteurs spirituels, des enquêteurs naturels. C'est vrai, non, c'est pas clair, c'est pas clair. Parce que quand tu vois sa manière de faire, non, la France est derrière, ça va être amusée de sorcier. Dieu a utilisé quelqu'un. Je l'ai dit aujourd'hui, l'onction, ce n'est pas parler en langue. Les juges avaient l'onction pour opérer la délivrance de la nation. Ouais. Dieu n'est pas chrétien, il utilise ce qu'il veut. Amen. Pour atteindre un but, parce que Dieu est un Dieu de tous. Alléluia. Il dit, c'était comme dans un rêve. Et il dit que les nations, vous savez aujourd'hui, lorsque Obiang Kelly avait fait le coup d'État, il avait raté. C'était la moquerie de la gloire. Le coup d'État le plus rapide au monde. Je me souviens encore de ça. Vous comprenez ça, non? Regardez, aujourd'hui, là, nous devenons le sujet. On était hier le sujet de honte. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent d'abord, on respecte un peu. On est suivi de près. Pendant que certains chefs d'État ont commencé à bousculer là, c'est... En fait, on a créé quelque chose de puissant. Le Mali a fait pour lui, le Sénégal a fait pour lui, tout le monde a fait pour lui, mais le Gabon a fait pour lui. Et comme nous étions devenus la risée de tous, alléluia. Dieu a dit, je vous redonne l'honneur qu'il faut. Amen. Amen.
Colette, Ashley Goïta, les autres là, on les respecte. On les Maliens, les Burkinabés célèbrent leurs héros. Nous, au Gabon, on dit, c'est un bateke. C'est un fang. C'est quoi votre problème en fait? Le problème aujourd'hui, c'est que, et je vais en parler d'ailleurs, le problème c'est que la délivrance d'une nation, c'est un processus. Yes. Nous avons été délivrés de la captivité. Amen. C'est la première étape. Yes. Quand Dieu veut opérer une restauration, il commence par une délivrance. Yes. Vous n'allez pas commencer à mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord sortir Israël de l'Égypte afin de nous conduire là où Dieu a voulu nous faire. Amen. Nous commençons par la délivrance. On parle d'abord de la délivrance. Après la délivrance, c'est le relèvement. Après le relèvement, c'est quoi? C'est la restauration. Après la restauration, c'est l'établissement. Mais vous voulez déjà, en même temps délivrance, en même temps restauration, en même temps, il y a quel problème? Le manque de lucidité et d'intelligence, ça nous fait défaut dans la vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu délivre, Dieu a un but. Mais celui qui est lié ne peut pas jouir de bénédiction. Exactement. On est d'accord? Regarde. Quand Dieu rencontre Moïse, au buisson après, il lui dit ceci. Moïse, Exode 3. Il dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu ce que Pharaon lui fait souffrir. Je suis descendu pour les délivrer. Mais en fait, je ne descends pas pour les délivrer. Je descends pour les mener dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Bien comprendre ce que je vous dis. Ça veut dire que quand Dieu vous délivre, il ne vous délivre pas pour vous garder à l'état où vous êtes. La délivrance, c'est la première étape. Mais Dieu ne vous garde pas dans l'état où vous êtes. Dieu vous fait progresser. C'est vrai, quand Israël reçoit la délivrance en Égypte, ils ne vont pas rester là où ils sont. Ils doivent aller sur le territoire que Dieu a prévu pour eux. Mais il faudrait bien le comprendre que nous avons rempli la première étape, c'était quoi? La délivrance de la nation. Maintenant, il faut maintenant rentrer dans ce qu'on appelle, j'ai parlé du relèvement. Et c'est ce qui est en train de se faire, le relèvement. Or, on ne se relève pas avec les spéculations. Le relèvement est une décision. Le relèvement est accompagné de l'action. On parle de relèvement, on parle de restauration. On restaure une chose qui a d'abord été gâtée. Si une chose n'est pas gâtée, on ne parle pas de restauration, on parle de création. Or, ce qui se passe, c'est que ce pays a besoin d'être restauré parce que ce pays a perdu sa forme. La forme que Dieu lui a donnée. Alléluia. Dieu dit à Moïse que je t'appelle pour que tu mènes le pays. Le peuple dans un pays, Dieu délivre pour l'abondance. Tu peux noter ça? Ouais. Dieu délivre les gens pour l'abondance. Quand Dieu fait de toi un chrétien, ce n'est pas pour que tu sois le même. Quand Dieu te sauve, c'est pour qu'on fasse une différence entre quand tu n'étais pas chrétien avant et maintenant que tu es devenu chrétien. C'est pourquoi si ça n'a pas changé, c'est que tu as un problème. Il faudrait qu'on soit capable de voir avant qu'elle ne soit chrétienne, voici là où elle était. Mais depuis qu'elle a rencontré Jésus, voici là où elle est maintenant. Parce que la délivrance, c'est la première dimension. Mais ensuite, la restauration, le relèvement suit. Dieu ne te sauve pas pour comme ça. Dieu te sauve pour l'abondance. C'est pas l'année à Moïse. Sors le peuple pour l'emmener dans le territoire où coule le lait et le miel. À quoi ça sert d'être délivré d'être pauvre? À quoi ça sert d'être délivré d'être pauvre? En fait, pour la petite histoire, nous n'avons pas gagné la guerre. Nous avons juste gagné une bataille. Amen. Maintenant, il y a d'autres défis qui doivent avoir lieu. Mais ce n'est pas cet homme-là qui va le faire. Seul. Parce que les Gabonais, ils sont comme Israël. Ils aiment les libérateurs. Ça commence par la transformation de toi et de moi. Amen. Arrêtez d'aller lire la Bible au travail. Le travail, c'est pour travailler. Amen. Lisez la Bible dans vos maisons. Amen.
arrêter d'aller écouter les louanges aux heures de travail. Ça commence par là. Arrêtez de demander des pots de vin pour un travail pour lequel on vous paye. Ça commence par là. Arrêtez d'aller en retard au travail. Ça commence par là. Dites-moi, relève-moi. Dites-moi, relève-moi. Si on commence à changer, et je vais en parler, le relèvement, les choses vont vite aller. Amen. Parce que vous risquez de taxer ce monsieur le dictateur. C'est ça le risque. Aujourd'hui, c'est nous de le voir. Mais si vous ne changez pas, vous ne comprenez pas qu'on doit changer ensemble. Le mouvement est impulsé par le haut et ça va suivre en bas. Donc bientôt, on dira, c'est un dictateur. Je suis pour un régime où les gens sont durs, mais cette dureté produit la transformation. Amen. Moi, je suis allé dans les pays asiatiques. Mes amis, ne t'amuse pas. C'est des régimes comme ça, mais va voir le développement. Nous avons besoin aujourd'hui de nous relever. Mais chrétiens, ça ne commencera pas par la présidence. Ça commence par toi et moi. La manière de se comporter. La manière d'agir dans le quotidien. Amen. Dans quel domaine nous avons donc besoin de travailler la restauration? Parce que ce pays doit être restauré. Mais dans quel domaine, quand je lis la Bible, dans quel domaine tous ceux qui ont amorcé la transformation, parce que la Bible, ce n'est pas seulement un livre spirituel. C'est aussi un livre qui parle de politique, qui parle de social, qui parle de développement. La Bible n'est pas qu'un livre, et c'est ça le problème de l'Église. On croit que nous, à l'Église, notre seule chose, c'est de prêcher aux gens les esprits des gens. Un esprit sans corps, c'est un fantôme. Un corps sans esprit, c'est un cadavre. Donc Dieu ne nous appelle pas, nous, les chrétiens, sur le spirituel. Non, ce n'est pas le spirituel. L'être humain, ce n'est pas que le spirituel. Donc lorsque nous prêchons l'évangile, il faut prêcher un évangile équilibré. Exactement. Amen. Dans quel domaine nous avons tous besoin, parce que c'est malheureusement un virus qui nous a été contaminé depuis des générations. Nous avons donc besoin de voir dans quel domaine nous devons être restaurés. Le premier domaine dans lequel on doit être restauré, il faut noter ça, c'est la crise d'identité. La crise d'identité. Mes amis, le problème du Gabon, et je vais d'abord dire de l'Afrique en général, et le Gabon en particulier, c'est que nous avons ce qu'on appelle un problème de crise d'identité. Crise d'identité. Je vais vous démontrer ça simplement. Vous allez réfléchir, vous allez voir, regardez. Pasteur Thibault, les Blancs parlent de la France-Afrique, n'est-ce pas? Sommet France, c'est bon? Sommet Russie, allons-y ensemble. Sommet France, Afrique. Sommet Russie, Afrique. Sommet Chine, Afrique. Sommet USA, Afrique. L'Afrique a combien de pays? 54 pays. Avec le Soudan du Sud. 54 pays. Écoutez votre avis. Afrique, France-Afrique. Dans votre tête, il n'y a pas un problème. La France, c'est un État ou bien c'est un continent? C'est un État. Donc, en réalité, on devrait dire quoi? Au lieu de dire Afrique, France, on devrait dire quoi? Ou bien France, Gabon. France, Togo. Russie, Gabon, Russie, Togo, Russie, tu vas voir, Ghana. On prend 54 présidents, on les fait asseoir en face d'un seul chef d'État. Vraiment. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu réalises? C'est-à-dire que nous, on est assis, Macron à l'Élysée, les chefs d'État africains, il est assis à l'Élysée. Il y a 54 et lui, il est assis ou pas? Poutine s'assoit, il est le chef d'État, Poutine l'assit, et il parle à des Africains, à 54 présidents, qui ont le même titre que lui, 54.
Si ce n'est pas un problème d'identité, c'est quoi? Comprenez-moi, c'est quoi le problème? C'est une crise d'identité. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est la raison pour laquelle, si vous suivez l'actualité, arrêtez de suivre seulement EMCI, s'il vous plaît. Arrêtez de suivre seulement, c'est quoi vos jeunes chrétiens là, c'est quoi encore? Arrêtez ça, ça va vous abrutir. Suivez l'actualité. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Si vous regardez comment est-ce que le président du Mali parle, vous comprenez que c'est une personne, ils veulent restaurer l'identité des Maliens. L'identité des Burkinabés. Ils disent à la France, vous ne voulez pas vous bouger. Les Français disent que la Air France n'atterrit plus, ils disent, ok, on coupe ça. Maintenant, vous devez les négocier. Désormais, vous devez comprendre que ce n'est plus le pays que vous avez connu avant. Nous sommes un pays où notre identité a été restaurée. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si vous avez une crise identitaire, vous ne savez pas qui vous êtes. Et donc, vous allez être malmené dans la vie. Ouais. Exactement. Est-ce que je peux te parler sur ça? Ah, oui. Crise d'identité. Avec des accords bizarres. Crise d'identité. Mais pour comprendre la question d'identité, on a besoin de se poser trois questions. La première question, c'est comment, qui sommes-nous devant Dieu? Ça veut dire comment Dieu nous voit. Est-ce que Dieu voit que les blancs sont plus grands que les noirs? Non. Il faut que chaque citoyen, chaque Gabonais, chaque État africain, commence à se dire comment Dieu nous voit. Parce que celui qui ne sait pas comment Dieu le voit, va essayer de chercher comment les autres le voient. C'est tout. Je ne suis pas défini par comment les gens me voient, mais comment Dieu me voit. La deuxième dimension pour la question de l'identité, c'est comment est-ce que les autres me voient? Mais les autres me voient de la manière que moi-même je me vois. Regarde. Moïse fait un truc bizarre. Il prend 12 princes. Il leur dit, chacun représente sa tribu. Vous allez aller à Canaan. Vous allez aller voir si ce que Dieu avait dit est vrai. Ils sont partis. Ils sont même. Ça me dérange quand je vois, j'ai lu ça. Ils ont même amené les raisins. Ils ont amené le miel. Ils sont venus devant Moïse. Tout le pays est là. On les regarde. Ils disent non. Sinon, hein, la vérité, hein, l'histoire du miel là, et du lait, c'est vrai. C'est là. Mais il y a un problème. Moïse dit c'est quoi? Il dit, là-bas, on a vu les fils d'Anak. Ok, d'accord, c'est quoi le problème? C'est que nous étions à leurs yeux. Question, comment vous savez que vous étiez à leurs yeux? Ils ne disent pas que c'est comme ça. En fait, la vérité, c'est que c'est nous-mêmes, on les voyait comme ça. Ils disent que nous étions à leurs yeux. Donc, ils disent qu'eux nous voyaient comme des sauterelles. C'est faux. C'est nous-mêmes, en fait, qui nous voyons comme des sauterelles. Mais comme ils ne voulaient pas l'exprimer, c'est eux qui nous voient comme ça. La plupart des temps, ils te disent, comment les gens me voient? Les gens me voient mal, ce n'est pas les gens qui te voient mal. C'est toi qui te vois mal. Amen. Vérité. Ouais. Donc ces gens-là avaient un problème d'identité. Or, il y avait deux personnes, Josué et Caleb. Eux, ils avaient réglé le problème d'identité. Ils disent, nous allons aller. Ce pays-là n'a plus d'or. Ces gens-là n'ont plus d'or, on va partir. Et c'est pourquoi ils sont pas morts. Bien aimé, c'est important de savoir qui nous sommes, comment on se voit. J'ai dit comment est-ce que l'identité, c'est comment est-ce que Dieu nous voit, comment est-ce que les autres nous voient et comment est-ce que nous nous voyons. Amen. 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 Si l'Afrique, si les Gabonais commencent à se voir bien, moi j'ai dit aux gens ici que arrêtez les travailleurs et les Libanais. Ils ont cru que je les dirais. Mais tu ne peux pas être ma soeur et puis je travaille pour l'Ibanais. Je ne te parle plus. Pourquoi? Je ne suis pas une femme. Mais regardez la manière avec laquelle ils traitent les gens. Vérité. On ne vous traite pas comme ça hors de votre pays. Vraiment. Mais dans ton pays. Parce que tu dois avoir 80 000. Tu vas le matin, tu rentres à 22h, tu es debout sur les rayons. Tu n'arrives même pas à avoir tes enfants, ou ceux qui ont des enfants. Tu rentres la nuit pour 80 000.
C'est quoi ça? Un problème d'identité. Je crois que nous devons recommencer à dire aux gens, tu n'es pas n'importe qui. Je suis désolé, quand tu regardes ta vie, tu n'as pas accepté tout le travail. Ah, je suis désolé de lui, mais tu n'as pas accepté. La phrase que tu as tuée, on va encore faire. Heureusement que c'est fini au nom de Jésus. Heureusement que c'est fini au nom de Jésus. Heureusement que c'est fini au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Je l'ai mis ce matin sur mon statut WhatsApp. Il a fallu une seule nuit, pour que Israël, Dieu délivre Israël de l'Égypte. Il a dit à Moïse, mets le sang sur les lintons de porte. Ce soir, je passerai. On va penser à d'autres trucs, je vais enseigner, je ne parle pas de ça. Sinon, si vous comprenez l'esprit. Il dit, mets le sang sur les lintons, je vais passer ce soir. En fait, depuis là, Dieu n'était pas passé. Hein? Il est passé depuis. Hein? Depuis les premières plaies, deuxième plaie, Dieu n'était pas là-bas. Quand Dieu est descendu, le peuple est sorti. Alléluia. Depuis là, c'était son ange. C'était Moïse. Dieu lui-même n'était pas descendu. Mais quand Dieu est descendu, la même nuit, Pharaon a dit, pardon, allez-y. Et ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Il a fallu une nuit pour que le peuple soit délivré, n'est-ce pas? Mais en fait, il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte du peuple. Alléluia. Il a fallu une nuit pour la délivrance. Alléluia. N'est-ce pas? Mais pour changer la mentalité, il a fallu 40 ans. Alléluia. Peu importe le genre de délivrance qu'on a expérimenté, si la mentalité ne change pas. Parce que je veux vous le dire, le plus grand niveau du combat spirituel, ce n'est pas les esprits. Alléluia. Les esprits influencent la mentalité dans la culture. Alléluia, vérité. C'est pour ça que vous allez remarquer que chaque peuple a une façon d'être. Les démons, quand ils veulent nous garder en captivité, vous donnent un style de pensée. Et c'est ce que Paul explique dans 2 Corinthiens 17, c'est ce qu'on peut lire. 2 Corinthiens 17, est-ce qu'on peut lire rapidement celui-là? Je pense que c'est ça. Rapidement, vous allez découvrir ça. 2 Corinthiens 17. 10 à partir du verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ah, ok. Paul dit que nous renversons quoi ça? Les raisonnements. Et tout auteur qui s'élève contre quoi? La connaissance de Dieu. On suit. Et nous amenons toute pensée captive. Voilà, verset 4. Verset 4 dit quoi? Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ok. Les armes que nous combattons dans ce monde ne sont pas physiques. On a réussi à délivrer le peuple physiquement de la captivité. Mais il y a un autre combat qui a lieu. C'est le combat dans la mentalité. Et pour dire qu'il y a un combat qu'on ne voit pas, mais un combat dans la mentalité. Ça veut dire que pour réussir à vivre le changement ou la restauration, vous devez gagner le combat de la mentalité. Tu peux épouser la plus belle femme du monde, le plus beau homme du monde, le plus homme le plus riche. Si la mentalité de la personne n'est pas changée, tu as épousé la richesse, tu n'as pas épousé le divin. Yes. C'est ça le problème des gens. Ils ont les poches pleines, mais la tête vide. Terre des mentalités. Lui, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ah, nous renversons quoi ça? Les raisonnements. Nous renversons quoi ça? Les raisonnements. Le peuple gabonais raisonne trop. Oui. Je t'assure. Oui. Vous savez, lorsque je fais mon direct, voilà ce que je dis. Si chaque disciple est un père spirituel d'une nation, nous les Gabonais, notre père devait s'appeler Thomas. Ça veut dire que nous les Gabonais, notre père spirituel de la nation devait s'appeler Thomas. Vous savez, Thomas fait beaucoup de choses dans la Bible, il a même guéri les malades. Mais la Bible, quand tu parles de Thomas, on ne retient pas ça. On ne retient qu'un homme
qui a dit, si je ne vois pas, je ne vois pas. Donc, il faut comprendre, est-ce que vous allez accepter de vous lever le matin, alors que vous aimez aller au travail à 10 heures, et qu'on vous dise, celui qui arrive à 8 heures coupe son salaire. Vous acceptez ça? Vous avez commencé à dire, non, l'homme, il est trop dur, hein? Donc on le met à lui, Yali, t'es bien! Yali, tu es un gars fête! Il a même fait son conflit de travail à 15h30. On vous connaît! C'est vrai. Regardez l'Israël! Petite difficulté, il s'assied, il pleure! Oh yo! Moi, il dit que vous pleurez quoi? Il dit, les pauvres, moi j'ai les concombres en Égypte. On se souvient des concombres, mon Dieu, nos femmes mal, nos femmes ouah. Il dit que ça c'est. Vous savez, c'est comme ça que nous sommes. Lorsque Dieu nous amène dans une nouvelle saison, on mange la manne. Il n'y a plus de concombre. Est-ce que tu es prêt à changer la mentalité des concombres? Puisque nous sommes en train de partir sur les dimensions de la nation, est-ce que la mentalité des Gabonais est prête à changer? Sinon, là, bientôt, il y a Yali, reviens, on t'aime beaucoup. Tu vois ce matin, les dictons du village, on sait qui parle, on ne sait pas qui vient. Tout ça, c'est parce que on veut nous remettre au travail. Oui. Ce peuple a besoin d'être remis au travail. Hein. Je le reprends, ce peuple a besoin d'être remis au travail. Hein. Je vais dire un jour, je bénis le ciel. Si Dieu peut m'exaucer, il faut qu'un militaire pour le pouvoir. Je vais dire, pasteur, tu ne connais pas les militaires. J'ai ici. D'abord, une seule chose que j'aime chez vous. C'est des autres. Et un peuple comme le nôtre, qui a été habitué à beaucoup de fêtes fériées. Quand tu vois le calendrier du Gabon, comment on va se développer? On a les fêtes des oiseaux, les fêtes des pigeons, les fêtes des coqs, les fêtes de ceci. On est avec les ponts. Non, le week-end, on met le pont. Le jour, c'est férié. J'ai dit, non, moi, je mets le pont, je viens les lits. Les ponts, là, vont se casser. Amen. Acclamons le Seigneur. Chacun mesure. Oui. Chacun mesure que là, là, là. C'est tu es obligé de changer. Amen. Normalement, on a même fait le projet d'une deuxième grande prison dans le monde. Parce que ça, c'est violent. Frère, c'est violent. Oh, est-ce que je te parle ce matin? Amen. Je suis en train de dire, viens avec la mentalité. Viens avec la mentalité. Les Gabonais doivent être gagnant dans leur mentalité. Vous devez vaincre votre mentalité. Notre mentalité est bizarre. Tout ce qui est grand nous fait peur. Tout ce qui est bien nous fait peur. Tout ce qui est bien, c'est pour le diable, c'est pour la rose croix. Ça aussi, cette mentalité a changé. Quand une personne commence à réussir, non, ça réussit, mais pas simple. Mais ta pauvreté n'a jamais été simple. Celui-là, ce matin. Église. J'ai dit qu'il a fallu une nuit pour Israël. Dieu a utilisé une nuit pour sortir Israël de l'Égypte. Mais 40 ans pour sortir l'Égypte. Le plus grand travail que nous aurons dans cette nation, c'est de sortir les mentalités de 60 ans. La facilité, la paresse, la corruption, la négligence, la trahison politique. La trahison, c'est même pas l'état de la politique, c'est rentré partout. La traîtrise, c'est là, c'est en nous. Il faut enlever ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ai dit, on a parlé de quoi? La crise d'identité. Il faut résoudre au Gabon le problème de la crise d'identité. Dans l'église aussi. Les gens ne savent pas qu'ils sont en Christ. C'est pourquoi ils sont prêts de courir et de se faire laver par des prophètes. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi les gens sont prêts à faire n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. La crise d'identité te fera faire n'importe quoi. Vous savez, les juifs, partout où ils sont, ils savent qui ils sont. Daniel est parti en Babylone. On a changé leur nom. On n'a pas changé leur identité. Écoute-moi bien. Regarde. J'ai dit, quand Daniel est arrivé avec ses amis, le roi a dit, il n'y a pas les Daniel ici. On a donné les noms de leur Dieu. Malgré le fait qu'ils ont changé leur nom. En fait, on n'a pas changé leur identité. On a changé leur nationalité, mais pas leur identité.
Parce que l'identité, c'est qu'on a à l'intérieur de nous. Et ils sont devenus, quand ils ont grandi là-bas, lorsqu'on leur a dit que prosternez-vous, ils ont dit que nous, on ne se prosterne pas. Parce que de là où nous vient, là où on vient, ce que nous sommes, ne nous permet pas de nous prosterner ici. Gabonais, tu as besoin de retrouver ton identité. Amen. Nous avons besoin de retrouver notre identité. Un Gabonais ne prend pas les navires pour fuir. Un Gabonais ne voyage pas à la Méditerranée. C'est pas pour Dieu. Allez, tous les gens qui ont la table, tu as dit qu'un Gabonais, non? Parce qu'un Gabonais, il aime le visa, il aime ce qui est bien. C'est des bonnes valeurs. Et aussi des valeurs qu'il faut enlever. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Deuxième chose, il faut noter ça. Note-moi ça. La première chose, c'est quoi? La crise. Résoudre le problème de la crise, l'identité. Deuxième chose, la domination économique. Aïe. La prière produit l'onction. La prière produit beaucoup de miracles. Mais la prière ne produit jamais l'argent. Amen. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. C'est bien la prière. Moi je vois les gens à l'église qui prient beaucoup. Seigneur, je prie, je veux recevoir. Mais la prière va te produire des opportunités. Mais la prière ne fera jamais apparaître des millions dans ta maison. Amen. C'est pourquoi moi je vous le dis aujourd'hui. Les affaires, le miracle, monnaie, c'est Satan. Amen. Amen. Et la BEAC doit porter plainte à ces gens-là. Amen. Ce sont des fémans. Tu es là. Prends-toi ta monnaie. Oh, prions. Oh oui, j'ai fait mille qui apparaît, frère, on doit t'attraper. Amen. C'est de la magie. Regarde, je parle de domination quoi? Économique. Parce que tu me parles de quoi? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer que continuons de prier. Restons là. Vous allez voir comment les gens viennent, ils percent et ils sont. J'ai lu dans la Bible, retenez bien ça, les riches dominent sur. On reprend. Les riches dominent. Reprenez avec moi. Les riches dominent. Reprenez avec moi. Les riches dominent. Ah, faites ça parce que vous avez l'argent. C'est vrai. C'est parce qu'ils ont l'argent. La Bible dit que les riches dominent sur les pauvres. Donc si tu ne veux pas être dominé, s'il te plaît, sois riche. Et tu ne seras pas riche avec les jeunes d'Esther, les jeunes de Moïse. Toi, tu vois que les visions, il y a l'ange Gabriel m'a paru là, du côté de la fenêtre, du côté de toi. Voilà le jour d'église que nous avons. Oui. Où les gens sont là, ils ont des témoignages de l'espace. Ah. L'ange est venu hier avec une corbeille, il m'a dit tiens là. Et tu n'as même pas fait le signe de gauche, l'ange donne la corbeille, il fait comme ça. Vous savez, est-ce que je peux vous choquer ce matin? Pourquoi Joseph? Qui a rêvé la vision où il y avait 7 années de vaches et 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Pourquoi c'est pas Joseph? Écoutez-moi très bien. Joseph veut rêver ça. Ça devait changer. Il devait raconter ça avec ses collègues de prison. J'ai fait un rêve la nuit. Oh. C'était grand. C'est ce que nous faisons à l'église. Nous passons notre temps à raconter les rêves aux gens. Non, Dieu m'a parlé hier. Ça ne change rien. Dieu est conscient que Joseph ne va rien faire avec le rêve. Là. Vous avez eu des rêves inutiles. Oh, je ne rêve plus. Mais Dieu ne veut rêver ça pourquoi? Toi-même, tu es inutile. Mais Dieu prend son rêve. Il va l'en imposer chez qui? Pharaon. Parce que Pharaon a le pouvoir décisionnel. Amen. Est-ce que je peux te parler? Donc, Dieu ne parle pas qu'au pasteur. Dieu parle aussi au président. Papa, j'ai lu que c'est Nebuchadnezzar qui a fait la vision de la statue, c'est pas Daniel. À chaque fois, un Dieu l'interprète, mais c'est le roi qui est. Est-ce que je peux te parler? Amen. Parce que lorsque Dieu veut parler, il ne parle pas pour parler, il parle pour prendre des décisions pour que ça change. Yes. Mais vous à l'église, tous les jours, Dieu vous parle.
qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les relations sont dangereuses. Oh. Je t'ai dit. Regarde, en fait, c'est toi qui es dangereuse. Tu ne t'es pas rendu compte que tu es toi-même dangereuse pour toi-même et pour les autres. C'est la raison pour laquelle Dieu décide d'aller parler à Pharaon. Parce que ce genre de rêve-là chez Joseph, c'est un gaspillage. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je vais rêver la nation, je vais rêver que nous avons un coup d'état. Tu m'as pas laissé, tu t'as pas dit, ça fait quoi? Là, maintenant, tous les prophètes sortent. Hein. Il t'a dit, oui. Là, tu entends, là, ce fils. Non, Dieu m'a montré ça. En 2004, mon frère, arrête ça. Quand Dieu t'avait fait les affaires, tu as fait quoi? Suivez-moi. Monsieur Brissoli, il y a un truc qui m'a choqué. Il a dit ceci. Il a dit, il n'a pas d'aimé. Lui, quand le président est décédé, c'est là qu'il a su qu'il fallait renverser ce régime. Il dit, vous combattiez dehors. Moi, j'étais quelqu'un. J'ai lu le Prince Machiavel. Voilà ce que j'ai découvert. Il n'a pas lu la Bible. Il a lu le Prince Machiavel. Il n'a pas lu quoi? La Bible. Il a lu le Prince Machiavel. Il a découvert que pour détruire un système, il faut être à l'intérieur. Et non seulement il faut être à l'intérieur, et il faut jouer le babou. Exactement. Combien de chrétiens n'ont-ils pas prié pour que ces choses-là changent? Ça avait changé. C'est bizarre. Vous priez à l'église, Dieu vous répond à la GR. Dieu, c'est pas un homme. C'est Dieu. Amen. Ça passe. Genèse 1, 28 à 29. Nous parlons de domination économique. Genèse 1, 28 à 29. Genèse 1, 28 à 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit. Vous savez, moi souvent, quand je lis la Bible, je me dis souvent, mais pourquoi Dieu a mis ça à la place de ça? L'homme est créé, suivez-moi, je parle de domination quoi? Domination quoi? Voilà. Si vous avez des visions et que vous êtes pauvre, ça ne va pas marcher. Hein? Au nom de Dieu, nous a appelé à une grande vision dans le ministère. Si vous n'avez rien, ça va pas arriver. Suivez. C'est pourquoi les gens peuvent les trouver sur 15 milliards à la maison. Mais leur seul problème, c'était eux. C'était les ténébreux. Ici, là. C'est même pas là-bas, ici, c'est là. La vie, hein, ne commence pas ici. Les gens, René Descartes a dit ceci. Les plus grands âmes sont capables des plus grands vices. Ça veut dire que vous pouvez être autant diplômé. Quand tu vois ce que Hitler a fait, tu dis comment une personne qui a pu faire ça. Quand tu vois ce que les dictateurs qui ont fait les études ont fait, tu dis comment ils ont réussi. Parce qu'ils n'avaient pas ça ici. Quand Dieu veut changer, il touche ici. Va ici. Si vous n'avez pas été touché ici, vous n'allez pas aider les gens. C'est là. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que la vie sort. Amen. Gloire à Dieu. Suivez. Pasteur Thibault, Dieu dit à l'homme, Dieu les bénit et dit, dominez sur la terre, assujettissez. Ensuite il dit, dominez. Il commence à citer quoi c'est? Il commence à citer où? On commence à dominer où? Et dominer sur les poissons. Dominer sur les poissons de la mer. Donc, l'homme commence à dominer où c'est? Sur les poissons. Ensuite, il y a quoi? Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel, ensuite, il y a quoi? Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Normalement, Dieu a mal fait. Dans la logique, Dieu doit commencer à dire dominer sur la terre. Est-ce que l'homme vit dans l'eau? Non. L'homme vit dans l'eau? Non. Ou est-ce que l'homme vit dans l'eau? Non. Donc, quel est en réalité, quel devrait être? C'est toi et moi qui écrivons bien le français là. Si on voulait écrire ça, on devait dire quoi? Domine sur la terre. Dans l'eau et sur la mer. Mais Dieu commence à dominer sur l'eau. Pourquoi? Dominer sur les poissons. Pourquoi? Parce que dans la Bible, suivez-moi, les poissons, ce n'est pas ce que tu manges.
faut lire la Bible. Dans la Bible, le poisson est le symbole de la richesse et de la prospérité. Je le prends. Dans la Bible, le poisson est le symbole de la richesse et de la prospérité. Dieu dit à l'homme que le premier domaine dans lequel tu vas dominer, tu vas régner, c'est un domaine économique. Je le prends, est-ce que tu me suis? Le premier secteur de domination, c'est le secteur quoi? De l'économie. Tu dois dominer dans le domaine économique, tu dois être prospère. Tu dois réussir là-bas. Après, tu peux dominer la terre. Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Église, nous sommes libres. Mais est-ce que nous allons dominer sur le plan économique? Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un pays qui fait partie des pays les plus puissants au monde. Parmi les 20 pays, ils sont dans les... quand on fait le G20, l'Afrique du Sud est à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'économiquement, ils sont forts. Ceux qui sont invités à la table, c'est ceux qui sont économiquement forts. Le Rwanda a connu ce que vous et moi n'a jamais connu. Ils ont connu ce qu'on appelle un génocide. Nous, ici, au Gabon, on a beaucoup d'ethnies. Mais là-bas, il n'était que deux ethnies. Ils ont connu un génocide. On peut pas même tourner un film là-dessus. Mais repartez au Rwanda. Il y a 2 mois, j'étais au Rwanda. Tu arrives à l'aéroport, tu as honte d'être Gabonais. Parce que même à l'époque, quand tes parents voulaient t'insulter, on dirait la tête comme un Rwandais. Symbole de la souffrance. On parlait du Rwandais, on parlait de l'Éthiopie. Quand on se moque de toi, c'est Rwandais, Éthiopie. Frère, si tu arrives à l'aéroport d'Addis Abeba, tu auras mal à la tête. Tu auras honte d'être Gabonais. Je me suis posé la question, comment le Rwanda, qui n'a quasiment aucune richesse, si c'est aller prendre l'or au Congo RDC, torpiller les gens comme les Kagame, a réussi à relever son pays au point qu'ils ont des avions, ils ont des flottes. Mais notre pays, le Gabon, qui est un pays qui a un scandale géologique, on n'a même pas une flotte. On n'a rien. Même rien, on n'a pas. J'arrive dans l'hôtel, j'ai dit Seigneur, on appelle le Rwanda le pays des 9 colonies, j'ai dit Seigneur, je suis dans un pays où il y a eu des milliers de morts. Il n'y a jamais eu dans ce pays des milliers de morts. Mais qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi le Rwanda aujourd'hui, les pays comme la France, le PSG, les grands clubs de Rwanda, pourquoi? Parce que le Rwanda a développé son économie. On peut prier, on peut dire que non, le Gabon, on a les belles plages, tout ça, là, c'est bien. Mais si économiquement, on n'a pas relevé l'économie du pays, relevé l'économie, le standing de vie des gens, ça ne marchera pas. À quoi ça sert d'avoir des belles villes si on ne peut pas manger? Mais ça passe par quoi? Ça passe par le fait que vous et moi, on comprend qu'on doit se mettre au travail. Amen, amen. En dehors de ton salaire, la fonction publique commence à faire quelque chose. Amen. Il faut qu'il y ait une révolution économique dans ce pays. Ça commence par une révolution économique dans les mentalités des gens qui viennent à l'église. Arrêtez d'attendre la fin du mois, parce que la fin du mois c'est compliqué, c'est pour résoudre les dettes. Il faut une révolution économique. C'est difficile, c'est bizarre. Imaginez-vous que Messi dise à Dieu, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Ou Cristiano Ronaldo. Mais Dieu peut le bastonner comme ça. En fait, la seule chose que Messi a à faire, c'est aller s'entraîner et venir sur un terrain de football. Et l'argent va venir. Parce qu'il est né pour. Il a le don pour. Église du Gabon, arrêtez d'attendre les salaires. Chrétiens, mettez-vous au travail. J'ai voyagé avec des gens en dehors de leur travail qu'ils ont. Ils ont leurs activités parallèles. Mais nous, on n'a que nos bouches. La vie reste dans les projets. J'attends mon intégration. Quelle intégration? Nos frères étrangers qui sont là, ils ont les bureaux. Se mettre au travail. C'est quoi le problème au Gabon? Oui, c'est vrai, on doit nous libérer. Oui, mais qu'est-ce que nous faisons? On n'arrive même pas à vendre la nourriture là, après le culte. C'est choquant pour nous. Yo, Vanessa, tu dois vendre quelque chose. Sauf les hommes, tu dois vendre quelque chose. Parce que pour réussir, il faut vendre quelque chose. Rappelez-vous l'histoire de la femme qui avait les dettes. Son mari laissait des problèmes. Elle est venue au bon, oh prophète, mon mari va laisser des problèmes. Elle pensait que le prophète avait dit, je te localise. Demain,
Quelqu'un t'amènera des mallettes. Il n'a pas dit, Seigneur, tu as quoi dans la maison? J'ai quelques pots, amène ça. On va prier. Les pots sont remplis, va et va, paye tes dettes, le reste tu viens avec ça. Tout le monde attend un bureau. Même ceux qui apprennent à attendre les bureaux, ceux qui sont dans les bureaux, vous avez l'argent, votre argent est une semence. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Je dis, ton argent est une semence. Dis à voisin, révolution économique. Tu vas faire une révolution économique. Désormais, on va se mettre au travail, on se met au travail. Hein. On ne peut pas dominer si on est pauvre. Est-ce que tu ne sens pas la frustration quand il s'agit de continuer dans la famille, tu n'arrives pas à continuer? Là où tu es là, avec ton petit frère, avec ton grand frère. Parce que tu n'as rien. On me fait ça parce que je n'ai rien, mais tu n'as rien. Le peuple gabonais est un peuple bizarre. Mais ça va changer au nom de Jésus. J'ai dit révolution économique. On va se mettre au travail. Dieu va se mettre au travail. Lorsque Néhémie va aller rebâtir la muraille, Néhémie 3, le verset 3, il y avait une porte qu'on appelait la porte des poissons. C'est, en fait, dans la Bible, le poisson, c'est le symbole de la prospérité. Donc quand on a rebâti la muraille, quand on a rebâti le temple, quand on a rebâti la ville, il fallait rebâtir la porte des poissons. Pourquoi? Parce qu'on ne rebâtit pas si l'économie d'un pays, si l'économie d'une famille, si l'économie d'une église, si l'économie d'une ville ne se développe pas. C'est pourquoi Dieu a dit à l'ennemi, rebâtissez également la porte des poissons. Tu vois, à quel niveau est ta porte des poissons? Demande. Est-ce qu'elle est brisée? Elle est comment? Demande à ton voisin. La tête, la porte des poissons, je sais pas c'est comment. Demande au voisin, c'est quoi? Il a quel niveau ça porte des poissons. Papa, tu veux ta porte des poissons, c'est quel niveau? Chaque être humain a une porte des poissons. Comment est ta santé financière actuellement? Tu as quel niveau? Tu as combien de pourcentage là? Combien? À quel niveau? Pose encore la question, à quel niveau de ta porte des poissons? Demande. C'est bizarre, on vient prier, on vient prier, on prie. Et puis quand on a, il y a des gens qui me. C'est vrai, il y a des gens qui restent longtemps au bureau. Tu les vois, ils sont du dehors. C'est pas qu'ils aiment le dehors. Parce que quand ils rentrent, la réalité de la vie. Mais c'est ta maison, tu as fini par rentrer. Alléluia. Je veux vous dire une chose. Ne me prêtez pas des intentions. Je vous ai dit ce matin, je serai biblique. Je veux vous montrer le péché dans lequel nous avions été sans comprendre. Lisons deux textes des Écritures. Lévitique 19, 9 à 10. Écrivez ça, vous avez la dernière raison. Lévitique 19, 9 à 10. Deutéronome 24, 11 à 21. On y va. Lévitique 19, 9 à 10, Deutéronome 24, 9, 19 à 22. On appelle ça la loi du planage. On y va. Lévitique 19, 9 à 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. D'accord. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. D'accord. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vie, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. D'accord, pourquoi? Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu abandonneras ça à qui? Aux pauvres et à l'étranger. Donc, lorsque vous irez moissonner, il faut réserver une petite partie où tu ne moissonnes pas, c'est pour le pauvre et l'étranger. Quand les choses vont tomber, ne ramasse pas ça. Ceux qui tombent là, ne ramasse pas. C'est pour le pauvre et qui? Allons lire le texte. Deutéronome 24, 19 à 22. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié un gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Oui. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. C'est-à-dire, maintenant, c'est pour le pauvre, l'orphelin et l'étranger. Et la veuve, on y va. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. D'accord. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu peux t'arrêter par là. Je veux vous parler ce matin. Je termine mon message. J'ai dit au départ, je suis quelqu'un qui, je ne suis pas xénophobe. Je ne connais pas ça. Mon éducation ne me permet pas d'être xénophobe. Parce que quand on fouille tous nos frères racines là, les gens qui ne sont pas. On vient tous de quelque part. Donc, loin de moi les propos de xénophobie. Je combats ça avec la dernière énergie.
Je vous ai dit ce matin dans mes propos introductifs que je vais rester biblique. Il y a des vérités qui sont difficiles à dire, mais il faut les dire à la place biblique. Ça peut déranger certains, mais c'est vrai. S'il y a des étrangers dans cette salle, vous allez m'excuser. Je ne m'adresse pas. Mais je vais vous donner ce que la Bible dit. Il est interdit. Dieu a mis une loi en Israël. On appelle ça la loi du glanage. Il est interdit en Israël que des étrangers viennent prospérer là où se trouvent les autochtones. Je vais expliquer ça. Dieu dit, les étrangers ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. S'aimer, c'est pour les propriétaires. Maintenant, vous devez réserver une place juste pour eux, pour qu'ils viennent ramasser. C'est interdit qu'un étranger voyage, il vient dans ce pays, il s'enrichit au détriment de ceux qui sont là. C'est un signe de malédiction. Ruth, il faut lire l'histoire de Ruth. Ruth a dit à Naomi, je m'en vais glaner, je ne pars pas planter. Ruth est partie glaner, ça veut dire qu'elle est partie ramasser. Dans la Bible, il y a le glanage. Le glanage, c'est pour les étrangers. C'est pas pour les autochtones, c'est pour les pauvres et les étrangers. C'est interdit qu'une personne vienne de l'étranger et s'assied. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ce sont les riches qui dominent sur les pauvres. Si vous avez un pays là où sont les étrangers qui sont riches, ça veut dire qu'en réalité, ce sont les étrangers qui vont dominer sur les autochtones. C'est dans ça que nous avons vécu. C'est la raison pour laquelle, si vous avez suivi le discours de M. Olivier, il a parlé de protéger. Pourquoi? Ce n'est pas un fait social, c'est un fait biblique. Il faut favoriser l'expansion économique de ceux qui habitent ici. J'ai voyagé dans certains pays, ceux qui vont à Dakar, ceux qui vont dans certains pays où l'argent est interdit de sortir. Allez-y là, Western Union. Chaque lundi, des centaines de millions de francs partent de ce pays. Amen. Plus que la BBMAC a mis une mesure pour que l'argent ne sorte plus trop, ils vont rien quoi. Toi, on t'appelle, ils te donnent l'argent, tu envoies, pour lui, tu envoies. C'est grave, en fait. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez pu ça que c'est normal. Et si vous parlez de xénophobe, non, vous êtes en train de perdre ce qu'on appelle votre hégémonie. Quelqu'un te dit, vous allez au tribunal ensemble. Il a tort. Mais il prend son téléphone, il appelle le magistrat. Vraiment. Vous êtes condamné pour le même délit. On vous a attrapé ensemble. Vous allez en prison. Lui, comme il est libanais, il appelle le téléphone, il sort. Il y a un procédé pour avoir une nationalité au Gabon. On dit que c'est tant d'années. Lui, il arrive, il passe un coup de fil, il a tous les papiers. Il y a des Gabonais qui n'ont pas de carte de son identité. Mais lui, non, on ne peut pas les récépissés. Mais il y a des gens dans ce pays-là qui ont appelé, ils n'ont pas eu de récépissés. Ils ont eu la carte. Et lorsqu'on parle de ça, on dit non, ça c'est les propos de la xénophobie. Un pasteur, moi je suis pasteur, je reste biblique. La Bible me dit que les étrangers glanent, les autochtones s'aiment. Dans notre propre pays, on se comporte comme des étrangers. C'est maintenant que nous sommes en train de glaner. On glane les petits boulots. On glane. Mon Dieu. Amen. Mes amis, c'est pas mon Dieu qui l'a dit. Même Dieu est sage. Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, c'est lui qui dit que tous les hommes sont égaux. C'est lui qui a écrit ça. Attention. La Bible dit, ce sont les riches qui dominent sur les pauvres. Si tu es pauvre, tu n'as pas de parole. Il faut que tu le saches. Même si tu travailles bien, tu n'auras pas de parole. Écoutez-moi très bien. Jacob, il a senti ça de lui. Il est parti chez là-bas. Il est parti travailler là-bas. Au départ, c'était lui pour lui. Un matin, Dieu l'a béni. Il a commencé à prospérer. C'est même pas Laban qui a réagi. La Bible dit que les fils de Laban ont appelé leur père. Il dit, tu vas nous expliquer pourquoi le gars est venu ici là. Tout cela est venu, il était en t-shirt. Il n'avait rien. Aujourd'hui, il se retrouve avec sa poupée. Non, ce n'est pas de la jalousie, c'est de la compétitivité.
Il est anormal qu'une personne vienne de loin pour se prendre devant toi. Mange, mais tu n'arrives pas à manger. En fait, il n'y a pas plus grande définition d'une malédiction que ça. Si on te donne 5 millions, tu ne dormiras plus, tu auras que les goûts des riches. Attends, tu la maison sans maintenant les médicaments, je n'ai plus le temps de ça. On se connaît. Quelqu'un a 4 milliards. Vraiment. Tout seul. 8 millions. Bon. Bon, dites-moi, dites-moi. Dites-moi d'abord. On a bastonné les retraités là. Lancé les bombes lacrymogènes. Quelqu'un a 7 milliards. Seul. 110 milliards. Avec même 5 millions, tu ne dors plus. Je t'ai dit. Mais quelqu'un a 75 milliards. Mais il y a des gens qui ne mangent pas. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le courant. Ça là, si on parle ça, non, vous n'aimez pas les étrangers. Non, c'est justement parce qu'on aime les étrangers qu'on doit parler de ça. Oui. Bien aimé, je termine mon message en disant, plus jamais l'Afrique ne sera pareille. Amen. Parce qu'on a, on a ouvert les yeux en retard. Yeah. Mais selon Dieu, c'était le bon moment. Yeah. Amen. Vous devez vous sentir chez vous. Yeah. Parce que c'est chez vous. Alléluia. Vous ne devez pas avoir peur d'entreprendre. Tu veux faire taxi, ils te disent que non, en fait, il n'y a pas l'argent dedans. S'il n'y a pas l'argent dedans, toi, tu fais quoi dedans? Amen. Moi, expliquez-moi. Comment un domaine comme les stations font pour la plupart du temps être géré par des étrangers? Pourquoi? Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Désormais, ils doivent glaner. Amen. Nous, on l'a produit. Amen. Amen. Alléluia. J'ai voyagé avec des Coréens. J'ai voyagé avec des Nigériens. Vous savez, les Nigériens, quand ils aiment l'aventure, nous sommes allés en Corée. On arrive en Corée d'abord, à l'aéroport, dès que je prends mon passeport gabonais, on passe vite. Dès qu'on voit les Nigériens, on les a bloqués peut-être 2 heures de temps pour les poser des questions. Ah, j'ai compris que non. Et les Gabonais sont respectés. Oui, mes amis. Je pense, oh, Gabon, on va passer, on va passer. On sait que nous, on n'est pas les gars qui fouillent. Mais les Nigériens qui étaient avec moi là, posaient des questions. Ils ont fait, ils n'ont jamais peur de ce film, poser des questions. Les gars, ils transpiraient à l'intérieur là-bas. Ils ont quand même l'esprit de vie qui vont fouiller. Sauf que les Coréens ont un problème. Tu peux faire 1000 enfants avec 1000 Coréens, tu n'auras jamais la nationalité. Chez eux, l'affaire de deux nationalités n'existe pas. Si tu es coréen et que tu es vécu aux États-Unis, tu vas être américain, on te dit, tu dois déchoir de ta nationalité. Donc tu arrives en Corée, dans ton pays où tu es né, où tu es coréen, mais parce que tu as une nationalité américaine, tu arrives comme un étranger, tu payes le visa. Je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi on dit, non, non, tu peux être pour la nationalité comme tu veux? Et les Nigériens, quand ils arrivent, ils ont des problèmes, pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent faire les enfants. Et prends la nationalité. Sauf qu'on dit que faites des enfants comme vous voulez. Mais il n'y aura pas de nationalité. Il n'y a rien. Donc j'ai dit aux gars avec qui j'étais là-bas, les gars, si vous fuyez là, vous êtes mal barré. Parce que vous n'aurez pas la nationalité, vous ne pourrez pas faire les papiers. Vous allez soulever les pommes ici. Mais ils ont quand même fui. Suivez-moi, Tali. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est en vous. En fait, il ne demeure en moins de l'esclave, rien de l'esclave. Il est sous la tutelle de quelqu'un qui le guide. Et je crois que pendant longtemps, nous avons été sous la tutelle des gens. Il est temps maintenant que l'on se sente bien. Et que l'on prenne des bonnes décisions. Amen. Que l'on se lève et qu'on relève l'économie de notre pays. Amen. Bien-aimé, ce que je prêche là, c'est qu'en réalité, on doit prêcher aux gens. Amen. On a chassé les démons, on les a shootés, on les a mis les balayages.
nos vies n'ont pas changé. Je crois aujourd'hui qu'il faut commencer à se dire, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays? Amen. De quelle manière je dois contribuer? Moi, j'étais en Europe, j'ai un visa de quand même près de 6 mois, 7 mois. Quand ça s'est passé, on m'a dit, non, reste là-bas, attends que ça se calme, après tu viens. Tu dis, moi, je suis pasteur, j'ai une église, j'ai des armes, je suis un nationaliste, je suis gabonais. Donc, je vais rester en Europe en train de suivre les élections à la télé. Je dis, moi, ça me ressemble, excusez-moi. Oh non, mais c'est risqué. Des gens sont au Gabon, ils me disent, reste là-bas. Je dis, mon frère, c'est mal de connaître. Moi, je ne sais pas pourquoi. On va venir vivre ça ici. En 2016, je suis à Abidjan. Les élections de 2016, je suis à Abidjan. Je suis allé pour un programme. Donc, quand on délibère, quand on commence à dire que ça bouge au Gabon, je suis en Côte d'Ivoire. Le monsieur qui m'avait dit, grand pasteur, restez ici là, à l'hôtel, je dis, monsieur, je regarde mon pays. Mais s'il y a la guerre, je dis, frère, vous pouvez mourir dans son pays, il est resté ici là. Quand j'arrive à Libreville, à la PAF, le policier me dit, mais monsieur, vous ne faites pas ici là, ça bouge. Je dis, mon frère, toi tu fais quoi ici, ça bouge. Parce que c'est notre pays. Amen. On se dit, on n'a pas de pays de chambre, on n'a qu'un seul pays. C'est notre pays. Donc si on ne parle pas pour notre pays, si on n'éveille pas les consciences, si on ne conscientise pas les chrétiens en disant, arrêtez seulement de rester avec la prière, commencez à vous mettre au travail. Yeah. Commencez à œuvrer, parce que cette nation doit changer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi sur le cœur? Gloire à Dieu. J'aime mon pays. Moi j'aime mon pays. Désormais on va planter, on va moissonner, nous on va moissonner désormais. La saison du plantage est finie. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Je veux qu'on se tienne par la main. Tiens quelqu'un par la main. Je crie à toi.